Mesdames, Messieurs, nous sommes ici dans le premier arrondissement de la capitale gabonaise, Libreville. Le quartier s'appelle Bel Air. Bel Air est un quartier tentaculaire. Nous avons Bel Air Transfo, nous avons Bel Air Manguier, nous avons Bel Air, aide-moi, Fromager, je crois. Et là, nous sommes à Bel Air Petit Marché. Et ce qui est derrière moi, c'est la seule, n'est-ce pas, poubelle qu'il y a dans la zone Bel Air Petit Marché jusqu'à Bel Air Lycée. Ça veut dire que les habitants de Bel Air Lycée quittent le lycée pour venir déverser leur déchets. Chose qui n'est pas normale. Nous sommes là environ dans les 1 km par là, alors que normalement, les habitants de Bel Air Lycée devraient avoir un bac à ordures comme celui-là, chers amis. Et là, nous ne nous interpellons pas. Le président de la République, il n'a rien à voir. Le président de la République décentralise. Ensuite, ceux qui ont des responsabilités pour s'occuper de ce type de problème doivent trouver des solutions, n'est-ce pas, pour les Gabonais. Donc, ce bac à ordures qui est dédié aux populations de Bel Air Petit Marché, c'est pour eux. Ceux de Bel Air Lycée doivent avoir le même bac à ordures. Nous allons vous montrer la distance qu'il y a entre Petit Marché et lycée, et vous allez voir combien de fois celui du lycée marche pour venir déverser leur poubelle ici. A tout de suite. Bien, là nous reprenons la route pour vous montrer la distance qu'il y a entre Bel Air Lycée et Bel Air Petit Marché. Je filme la route de temps en temps parce qu'on roule, on est en train de rouler. Vous allez voir que la distance, elle est extrêmement longue. Les habitants de Bel Air Lycée quittent le lycée pour venir verser leur poubelle à Bel Air Petit Marché. Alors que le président de la République, chef de l'État, son Excellence Brice Clotaire-Oligui-Nguema, a fait faire les travaux de la route charbonnage Bel Air Lycée. Ça veut dire que en ce qui est de la route ne pose plus un problème. Nos amis d'Averna ou Clean Africa ou je ne sais pas ce rogue peuvent déjà, n'est-ce pas, arriver jusqu'à Bel Air. Vous voyez que depuis là on roule. Nous ne sommes pas encore arrivés au lycée et vous allez voir que la distance, elle est extrêmement longue, chers amis. Elle est très longue. Donc les populations de Bel Air, Lycée véritablement souffrent. Ils souffrent à venir déverser, n'est-ce pas, leur poubelle, comment je vais dire, à Bel Air Petit Marché. Chose qui n'est pas du tout normale. Donc là, nous vous montrons la distance qui existe entre le Petit Marché. Donc tout cela, c'est des populations qui vivent là, ils vivent ici. Les populations gabonaises vivent là. Ils n'ont pas de bac à ordures, ils n'ont rien du tout pour pouvoir, n'est-ce pas, se débarrasser de leurs déchets. Bah oui, voyez-vous, nous roulons toujours, nous sommes en train de rouler. Voilà, donc on roule, voilà, pour le lycée. Vous voyez que nous venons de quitter là, le Petit Marché. Nous roulons pour le lycée et vous allez voir, je vais toujours revenir là-dessus, que la distance, elle est longue. Et là, nous interpellons les dirigeants de ces entreprises qui s'occupent, n'est-ce pas, du ramassage des ordures pour dire qu'il faut un bac à ordures. Il faut un bac à ordures pour les habitants, n'est-ce pas, les habitants de Bel Air, lycée. Oui, et là, nous arrivons là, ce qu'on appelle Bel Air Carrefour Lycée. C'est le carrefour que vous avez devant vous, chers amis. Ça, c'est Bel Air Carrefour Lycée. Vous n'avez pas vu un bac à ordures. Le seul bac à ordures qu'il y a, c'est celui que je vous ai montré il n'y a pas longtemps là, au Petit Marché. Voilà. Donc, nous continuons à descendre. On descend toujours. On descend. Voilà, c'est long, c'est extrêmement long. Ce n'est pas normal. Ce n'est vraiment pas normal. Il va falloir que Averda, Sovog ou Clean Africa, je ne sais pas qui, pense à ériger, n'est-ce pas, un bac à ordures au niveau de Bel Air Lycée, parce que c'est extrêmement long et difficile pour ces populations qui vivent ici. Voilà, donc nous sommes à proximité du lycée. Nous sommes à proximité du lycée, chose qui n'est pas du tout normale que ça soit fait ainsi. Voilà, vous allez voir que nous arrivons maintenant, si je ne me trompe, voilà, nous sommes au lycée. Voilà, c'est le terminus ici, lycée Diba. Vous n'avez pas vu de bac à ordures. Il n'y a pas un bac à ordures ici. Il n'y a pas du tout un bac à ordures à ce niveau-là.
Voilà. Mesdames, messieurs, chers amis des entreprises Averda, Sovog ou Clean Africa, il est temps pour vous de penser à venir mettre un bac à ordures pour les populations de Bel Air lycée. À bon entendeur, je vous dis merci.